Bonjour, je suis Nancy, ta formatrice en grammaire française. Bienvenue dans le module 2 de grammaire qui s'intitule Les classes grammaticales. Ce module te concerne si actuellement tu fais l'école à la maison, si tu veux réviser les leçons vues en classe de CE1 ou CE2, ou bien si tout simplement tu souhaites connaître ou revoir les bases de la grammaire française. Aujourd'hui, je te propose donc de répondre à cette question fondamentale de la grammaire. Qu'est-ce qu'un nom? Notre objectif aujourd'hui sera de distinguer les deux sortes de noms, les noms communs et les noms propres. Selon toi, qu'est-ce qu'un nom commun? Es-tu capable de reconnaître un nom propre? D'après toi, les mots qui suivent sont-ils des noms communs, des noms propres ou bien ni l'un ni l'autre? Si tu veux connaître les bonnes réponses, je te donne rendez-vous à la fin de ce cours vidéo pour corriger ensemble cet exercice. Comment définir un nom? De manière très générale, les noms désignent tout ce qui peut être pensé. Une personne, un animal, une chose, un fait, une idée. On distingue deux sortes de noms, les noms communs et les noms propres. Les noms communs commencent par une minuscule et sont très souvent précédés d'un déterminant comme un, une, le, la, mon, ta, etc. Ils permettent de nommer les êtres vivants et les choses qui appartiennent à une même catégorie. Ils désignent des personnes comme l'enfant, la femme, ou des animaux comme un chien, un oiseau. Ils peuvent nommer également une chose ou un objet concret, par exemple une maison, un vélo, une table. En outre, les noms communs servent à désigner des faits et des actions comme la course ou bien la lecture. Ils permettent aussi de nommer des sentiments tels que la bonté, la crainte. Enfin, les noms communs désignent des idées et des notions abstraites comme la liberté ou la justice. Les noms propres commencent toujours par une majuscule et ils ne sont pas précédés d'un déterminant sauf pour certains noms géographiques. Contrairement aux noms communs qui désignent les êtres et les choses en général, les noms propres, quant à eux, désignent un être ou une chose en particulier. Ils expriment une réalité unique. Les noms propres peuvent désigner des personnes en particulier comme Victor Hugo, George Sand, Louis Dupont, Julie Martin. Ils peuvent désigner des villes uniques comme Paris, Bordeaux, des pays précis comme la France, le Portugal, les habitants d'un pays en particulier comme les Gaulois ou les Allemands. Les mots soulignés sont-ils des noms communs, des noms propres ou ni l'un ni l'autre? Dans le texte qui suit, identifie les noms propres et les noms communs. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.
Alors, es-tu capable à présent de reconnaître les noms propres et les noms communs? D'après toi, les mots qui suivent sont-ils des noms communs, des noms propres, ou bien ni l'un ni l'autre? Le mot chien est un nom commun, car ce nom commence par une minuscule et désigne une espèce animale, une catégorie. On ne sait pas comment s'appelle précisément le chien dont on parle. Ce nom peut être précédé d'un déterminant comme un ou le. Le mot table est un nom commun, car ce nom commence par une minuscule et désigne une catégorie générale d'objets. Ce nom peut être précédé d'un déterminant comme une ou la. Le mot lecture est un nom commun, car ce nom débute par une minuscule et désigne une action. Ce nom peut être précédé d'un déterminant comme une ou la. Le mot joie est un nom commun. Ce nom débute par une minuscule et désigne un sentiment. Il peut être précédé d'un déterminant comme une ou la. Le mot Alexandre, quant à lui, est un nom propre, car ce nom commence par une majuscule et désigne une personne en particulier. Le mot Paris est un nom propre lui aussi, car ce nom commence par une majuscule et désigne une ville bien précise, la capitale de la France. Le mot France est un nom propre, car ce nom commence par une majuscule et désigne un pays en particulier. Le mot chanter n'est ni un nom commun, ni un nom propre. C'est un verbe qui exprime une action. Il ne désigne ni un être, ni une chose. Ce mot ne peut pas être précédé d'un déterminant. Le mot joyeux n'est pas un nom, c'est un adjectif qualificatif qui décrit une personne. Le mot « je » n'est pas un nom, c'est un pronom personnel. Ce mot ne peut pas être précédé d'un déterminant. Le cours 1 du module 2 de grammaire française est à présent terminé. Qu'as-tu compris? Es-tu capable à présent de distinguer les deux sortes de noms, les noms communs et les noms propres, et d'en expliquer les principales caractéristiques? Si tu veux bien, récapitulons les idées principales. Le nom commun commence par une minuscule et est très souvent précédé d'un déterminant. Il permet de nommer de manière générale les êtres vivants et les choses qui appartiennent à une même catégorie. Il peut désigner également des actions, des sentiments et des idées. Le nom propre, quant à lui, commence toujours par une majuscule, mais ne possède pas toujours un déterminant. Il désigne avec précision un être ou une chose en particulier, une personne unique, une ville précise, les habitants d'un pays en particulier. Sens-toi libre de visionner à nouveau cette vidéo pour en mémoriser les points essentiels. Quant à moi, je te retrouve pour le cours numéro 2 du module 2 qui s'intitule « Le genre et le nombre du nom ».